Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur le jeu Black Mesa. Nous en sommes au septième épisode. Et cet épisode est intitulé Sur un rail. Alors, bien sûr, bien, je reprends le rôle donc du scientifique Gordon Freeman, qui doit absolument, bien sûr, remonter à la surface pour trouver de l'aide. Jusqu'à maintenant, ça ne lui a pas porté chance, hein. Donc, allez, c'est parti, on y va, on continue. Alors, je vois qu'il y a un ennemi là à l'intérieur, donc on va aller lui régler son compte. Hop. Alors, c'est parti, on y va. Bon, je vois qu'il est là. Hop. Voilà. Je lui ai lancé une petite grenade bien gentiment. Comme ça, il n'en reste plus grand-chose, hein. Bien, alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je vois qu'il y a des boutons. Mais il n'y a rien à faire. On va là. Je vois qu'il y a une manivelle là. On ne sait pas l'utiliser non plus. Bon. Mais apparemment, je dois donc prendre ce système ferroviaire. Mais est-ce que ça peut rouler sur l'eau? C'est quand même bizarre. On va essayer, on verra bien. Ah, si j'arrive à sauter, hein, parce que là, je suis un peu bloqué. Voilà. Hop, c'est bon. Bon, apparemment ça a l'air de fonctionner. Allez, c'est parti. Ah, bien sûr, il faut faire attention. Il y a des ennemis qui peuvent surgir d'un peu partout. Ah, et là je vois qu'il y a des trucs là-haut. Ok, lui je l'ai eu. Voilà, je vois que ça monte. Rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Allez, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, 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 je vais remonter dessus. Voilà. Non, mais. Hein, quelque chose qui me lançait un tonneau là. Ah non, 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 c'est moi. C'est moi qui l'écrase avec le train. D'accord. Jusque maintenant, rien de bien particulier, mais je sens que ça ne va pas tarder. Il y a grande chance que je me fasse attaquer. Donc là, apparemment, je dois aller. Ça va tout droit. Hein. Ah ouais, c'est bien ce qu'il semblait. Voilà, on n'en parle plus. Finish. Non mais. Ah, c'est bien efficace, hein, ce lance-grenade. Ça les dégomme. Ça les déchiquette. Oula, c'est quoi cette lumière là-bas dans le fond? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi cette lumière? Oh là, oh là là, oh là là.
Ah voilà. Ça s'est arrêté, heureusement. Hein. Bon, ben je pense que le chemin s'arrête ici. Alors évidemment. Il y a encore de ces saloperies de bestioles un peu partout. Là j'ai coupé le courant. Ah ouais, je te vois toi. Je te vois. Il est juste là derrière. Mais je ne vois rien de particulier. Hein. De toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Donc j'ai pas vraiment le choix. Je vais devoir sauter. Pas s'il y a quelque chose sous l'eau. Je ne vois rien ici en tout cas. Est-ce que je dois enlever ça? Ah mais non, il manque, je crois. Ah. Je pense que... Ah ben voilà. C'est bien ce qui me semblait. Il manque quelque chose. Hop, j'essaye de le prendre. Et voilà. Ok. Bon, ben je vais aller rallumer le courant. On va voir, hein. Bien, ensuite. Non, là je sais pas y aller. Ah, je vois qu'il y a une échelle là, je ne l'avais pas vue. Oh là 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 là. Ici encore de ces saloperies de bestioles. Bon, ça descend encore, mais avant, je vais venir faire un tour ici. Ok, là, je vois où on est maintenant. Ah, je vois qu'il y a un bouton là. Ah ouais, d'accord, il y a une plateforme qui descend. D'accord. Ah, qu'est-ce qui va me permettre de continuer? Hop. Mais tu vas me lâcher, toi. Dégage. Non mais... Allez, c'est reparti. On est de nouveau sur ce rail. Alors pour info, des Half-Life... Eh bien, je pense qu'il y en a juste après celui-ci, donc le Black Mesa, qui reprend bah, l'histoire de Half-Life, hein, du tout premier. Ensuite, il y aura le Half-Life 2. Oula! Il y aura le Half-Life 2. Ah, là, ça monte. Ensuite, il y aura Half-Life 2 épisode 1. Half-Life 2 épisode 2. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, d'accord, carrément, il y avait carrément une mitrailleuse là. Ah, ça continue à monter. À mon avis, ça n'ira pas plus haut là.
Attention, parce que là, ça sent. Ah ouais, il y avait des mitrailleuses un peu partout là. Hein. Bon bah apparemment là je dois hop reprendre le chemin. Ah, peut-être qu'il y aura probablement des militaires ici. Ça pue encore la mitrailleuse. Voilà, on n'en parle plus. Je vois qu'il y a une bombe. Ah, ça va péter. Ok. Bon, ben ça ne va pas plus loin. Non, mais... Il me semblait bien qu'il y avait des soldats qui allaient m'attaquer. Bon, on va aller voir un peu ce qui se passe ici. Ça, est-ce que je sais ouvrir? Non, je ne sais pas ouvrir. Bon, ici, à part des machines, c'est tout ce qu'il y a. Donc, je vais passer de l'autre côté. Donc, par là, c'est bloqué. Apparemment il y a une petite guerre là-bas entre les soldats et les aliens probablement. Ah ouais, moi j'hésite pas. J'hésite pas, hein. Moi je fly. Just when I was starting to feel lonely. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, Slick. Beau gosse, ah, tu m'as fait peur, c'était à deux doigts que je te tire dessus, du con. Get on your game face, Doc. Allez, suis-moi. Allez, go. Suis-moi. Te fais pas tuer, hein, ce serait ridicule, hein. Attention. Il a pas le temps de rien foutre, le gars. Bon, alors. My bad, Freeman. Ouais, c'est ça. Allez, suis-moi. Au lieu de faire l'imbécile. Et on va aller voir par là. On va aller voir s'il y a quelque chose. Bon, ici, il n'y a rien. Des canettes. Il n'y a que dalle. Une douche. Allez. Bon, tu bouges ton cul. Pêche-toi un peu, là. Hein. Pas que ça à faire. Ah, attention. Ah,
Ah ouais, moi j'hésite plus maintenant. Je n'hésite plus. Je suis désolé. Il est pas mort l'autre là au moins. Est-ce que t'es... Ah t'es là, allez viens. Piche-toi un peu, on. Oh là là, qu'est-ce que t'es lent. Pouh. Ma grand-mère irait plus vite. Allez, pêche-toi. Bon, on va aller voir là. Là. Tu me tires dessus. Oui. Ah, ça c'est ça. C'est ce qui s'appelle se faire exploser en beauté, hein. Mais il y en a encore, hein. Voilà, si avec ça t'es pas explosé mon ami, alors là je comprends plus rien. Quoi, tu vas aller là-bas, mais il n'y a rien à ça. Laissez-moi vous libérer le passage. Ben vas-y. Allez. Vas-y. Oh, t'es vraiment un trou de... Hein. Allez, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Je préfère le faire moi-même. Viens ici. Up there. Quoi? Ah ouais. J'avais pas vu cette petite bébête là. Juste. Ouais, tu viens? Moi je te laisse là, hein. Je m'en fous, hein. Pas que ça à foutre, hein. Bon. Il y a une porte là. À mon avis, celle-là ne s'ouvre pas. On va aller voir par là. Watch your ass. Là, ici, je vois un truc. Un bouton là. Voilà. Bien. La porte s'est ouverte. C'est parfait ça. Bon. Ben écoute, tu me suis? Tu viens avec moi? Hein? Oh, je te cause. Sorry, man. Ben ouais, désolé l'ami. Ah, t'as vraiment une face de clinche toi. Allez, laisse-moi passer quand même. Non mais c'est incroyable ça. Toujours dans les pieds. Allez, dépêche-toi. Pas de colle. Non, c'est pas par là. Tu vois, tu me fais perdre mon sens, abruti. Bon, alors là-dessus. Ah ben voilà. Je vais pouvoir reprendre mon petit train. Parfait. Allez, go. Tu veux venir avec moi? Où est-ce qu'il est? Il est plus là, tu sais. I sure hope you know what you're doing. Ah. Let's roll. Allez, c'est parti, c'est bien. T'es monté avec moi. Is there a doctor in the house? Un docteur dans le coin? Ben non. Ben t'as un gilet pare-balles. Ça va aller, hein. T'inquiète pas. Tu survivras. Find some cover, quick! Voilà. Is a lot bigger than I thought. Ouais, comme tu dis, cet endroit est très grand. Shit. Comment ça, shit? Good God. Oh merde, j'ai raté mon coup. Get down!
Oh merde, fais chier. Oh putain. Oh merde. Oh ça c'est con. Oh ça c'est con. Oh vraiment. Tu m'en veux pas. Franchement, tu m'en veux pas. Oh je suis vraiment désolé, je te jure, je suis vraiment désolé. Si je pourrais recoller les morceaux, je le ferais. Oh là là. Franchement, je sais pas quoi dire. Oh, je crois que le gars, il faut m'en vouloir là. Bon, et ça sert à quoi ça? Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas. Il y a pont de courant. Et apparemment, ça a l'air d'être un ascenseur aussi. Donc, il faut trouver de quoi remettre l'électricité. Et j'ai vu qu'il y avait... C'est où que j'ai vu qu'il y avait une échelle? Là-bas. Là-bas, là. Oh, je m'en veux pour le gars, là, franchement. Oh là là, il me fait pitié, quoi. Mais tu vas dégager, toi, ça l'a pris de bonbonne. Contact hostile. Comment ça? Ouais, je sais, ça fait mal. Je comprends. Je comprends que ça fait mal. Ah. Encore descendre. Allez, dégagez. Ah. Saloperie. Voilà, comme ça ils m'emmerderont plus. Là il y a encore un bouton. Hop, on continue à descendre. T'es encore là, toi? Non, mais... Ça veut dire ça. Je vais faire le tour. Ouais, je fais comment pour y aller? Les escaliers sont là. Bah ben enfin. Quoi, ouais, il y a un autre passage quelque part. Aurais-je raté quelque chose? Ah mais non, je vois qu'il y a un truc là. Ah, il y a des cadavres. Je vois la lumière du jour. Je vois la lumière du jour. J'arrive bel et bien en surface. Mais c'est magnifique ça. Alors, ouais. Ah ben maintenant que tout est allumé. Contrôle du rail de lancement activé. Évacuer la zone immédiatement. Ah. La fusée est prête pour le lancement. Bien, bien, bien. Alors,
À mon avis, ça va être bourré d'ennemis ici dans le coin. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi. J'en ai bien l'impression. Alors restons méfiants. Ici, ça va encore monter, je pense. Ouais. Ça va monter tout à la surface. Oui, 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 je vois le ciel. Ah! Ouais, je vous ai vu, les gars, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Sur ton petit train là, je vais t'envoyer une petite grenade, ça va être vite réglé. Oh! Ils ont pété mon train. Bande de saligots. Et moi aussi, hein, j'ai un bazooka. Donc je suis, allez, franchement, minable. Encore à la batte. Il est mort? Ouais, il est là. Voilà, tu me fatigues. Franchement, tu me fatigues. Bon. Bah, là-dessus, à mon avis, je vais devoir ouvrir la porte. Il y a grande chance. Je vais aller là. Ouais. On sait y aller. Donc, à mon avis. Oh, je suis à l'extérieur. So, who is this guy? Freeman. They say he was at Ground Zero. The science team. Yeah. Shit. Comment what? Ça? So, you think this guy is responsible? Sabotage, maybe. Yeah, maybe. All I know for sure is this guy's been killing Marines. Oh, yeah. He'll pay. He will definitely pay. Je vais le payer. Ah ben tiens. Comme ça, c'est vous qui allez le payer. Non mais, ça va pas, non? C'est qu'on savait casser le cadenas, mais non, apparemment non. Ah, là je vois qu'il y a une entrée. Peut-être aller par là. Encore? Ah bah non.
Allez, ça va aller vite, ça va être vite réglé cette histoire de marine. Non mais quoi, vous croyez quoi, me faire peur? C'est vous qui avez tué les scientifiques. Pas moi. En arrière, allez, allez, on va essayer d'avoir en arrière. Encore? Voilà. Cette histoire est réglée. Il y avait une grosse mitrailleuse, au bois. J'aurais pu facilement utiliser ça. Alors je vois qu'il y a quelque chose là qui descend. Tac tac tac. Voyons voir. Une échelle. Pas signé pour cette merde. Dans ta gueule. Bon. Alors, ben là je suppose que je dois mettre la fusée en route. Allez, c'est parti. Satellite launch system activated. 20 seconds remaining. Voilà, 20 secondes avant le lancement. 15 seconds. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben voilà, la fusée est partie. Hein. Ouais, la fusée est partie. Et maintenant que la fusée est partie, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je dois peut-être aller par là. Là, je sais pas y aller. Ok, donc on va aller par là alors. Hein. Et moi je veux bien, mais je vois rien de particulier, les gars. Là, ça s'est fermé. Est-ce que je dois aller de l'autre côté? Par là? Ah, mais non, là c'est d'où je viens. Là, la porte, elle est fermée. Ah, la fusée, bah, elle est partie loin déjà. Hein. Donc ici, apparemment, je ne vois rien de particulier. Donc apparemment, ici, je peux me barrer. Donc je sais pas où je dois aller. Je vais retourner voir. Je vais retourner voir là-bas. J'ai vu qu'il y avait un truc là. Ah ben non, on sait pas y aller. Bon, 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 bon. Alors, ben ici, je pense que j'avais tout fait. Hein. J'ai lancé la fusée, donc... Il n'y a plus rien à faire ici. Ce que je vais faire, je vais refaire demi-tour. Ça se représente je sais pas quoi. Probablement des satellites autour de la Terre.
Ouais, bah, écoute. Je ne vois rien, donc ce que je vais faire, bah, je vais retourner là d'où je viens. Bah non. Hein. Non. Ah, je vois qu'il y a une porte là. Ah bah non, on sait pas l'ouvrir. On va aller voir là-bas. Là, il n'y a rien. Bon, ben, je vais retourner. J'étais venu d'où, moi, là? Du camion ou je sais plus. Je vois qu'il y a un truc là d'ouvert. Hop, ici, je vois qu'il y a encore... Ah ouais, d'accord, ok. Quoi? Tu veux quoi, toi? Rien du tout, dégage. Non mais... Donc apparemment ici il n'y a rien, donc je dois probablement descendre. Excuse-moi. Tu m'en veux pas? Bon, alors... Ah ben là je vois qu'il y a du courant. Il y a... Je vois qu'il y a du courant là, donc j'aurais pas aller nulle part. Là c'est fermé. Là je vois qu'il y a. Mais. Non d'une pipe, tu vas me laisser y aller. Je vois qu'il y a. Hop, mais bon sang, tu vas me laisser passer. Allez. Saute correctement. Ah. Je pense que ça doit être ça. Parfait. J'ai trouvé un autre train. Wow, ça va un peu trop vite là les gars, ça va un peu trop vite. Oh là là, boum. Eh bien, les amis, après toutes ces émotions, je pense qu'il est temps de mettre fin à cet épisode. Donc, voilà. Ce fut un épisode rempli de rebondissements. Hein. C'était pas mal. J'ai fait décoller une fusée et tout. C'était cool. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cet épisode... vous a plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera très prochainement pour le 8e épisode. Très bientôt. Allez, salut les amis. Ciao, ciao.